Jésus l'a évoqué une
seule fois il a évoqué cette pensée, mais par la suite, les apôtres, ils l'ont développé d'une façon, dans chaque catégorie, domaine de vie, et les apôtres, ils vont traiter cette expression juste les uns les autres. Je peux dire les uns les autres. Les uns les autres. Les apôtres vont les développer. Alors que Jésus, lui, dans Jean, ce sera notre premier texte, si nous nous tenons debout, nous lisons ça, et nous allons partager cette pensée de Jean, le chapitre 13, le verset 34. Jean chapitre 13, le verset 34. Et je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, et lisons ensemble, pendant que vous êtes debout. C'est merveilleux ce que Dieu fut. Je crois que la Bible veut. Oui, je crois que la Bible veut. Que la parole du Seigneur, je la serve dans mon cœur. Et la parole du Seigneur, je la serre dans mon cœur. Jean chapitre 13, je lis à partir du verset 34. Il dit, je vous donne un commandement. C'est un commandement. On en connaît 10, mais il en rajoute encore. Et il y en a encore beaucoup d'autres commandements. Ne nous limitons pas seulement aux 10 commandements, mais tout ce que Dieu ordonne, tout ce que Dieu nous commande, ce sont aussi des commandements. Et j'aimerais partager avec vous. Verset 34, il dit quoi? Je vous donne un commandement nouveau. Que vous aimez les uns les autres. Comme je vous ai aimé, et que vous aussi, vous aimiez les uns les autres. Voilà cette expression, les uns les autres. Jésus l'en a dit une fois, il en a utilisé une seule fois. Mais maintenant, lorsque nous lisons les apôtres, vous pouvez vous asseoir, merci. La compréhension de chacun d'entre nous afin de comprendre, Seigneur, cette expression les uns les autres. Ce commandement les uns les autres. Au nom de Jésus. Amen. Voilà ces commandements dans un premier que je vais traiter avec vous qui est lié au service mutuel, au service bilatéral, mutuel, bilatéral, que nous devons travailler les uns les autres. J'ai trouvé notre expression sinalamatique. Sinalamatique, c'est tout simplement aussi travailler les uns les autres, mais ici c'est avec obligation, réciproquement, les uns les autres. C'est le premier commandement lié les uns les autres que le Seigneur nous demande, que les apôtres ont développé. Quand j'étudiais ces textes, je me disais, non, il y avait déjà un problème au temps des apôtres. Pour que l'apôtre puisse dire ça, on va lire beaucoup aujourd'hui. Hein. Nous allons rester vraiment dans le texte. Et nous allons rester dans la Bible. Laissons que la parole de Dieu nous inspire et nous parle. J'ai dit, Galates chapitre 5, avant que je commence à faire des commentaires. Donc, je me dis, donc, il y avait un souci pour que l'apôtre Paul puisse dire ça. Et nous, à notre époque, nous disons quoi? Comment nous nous situons vis-à-vis de ce texte? Comment nous nous trouvons vis-à-vis de ce texte? L'apôtre Paul, il va cultiver, il va travailler sur cette expression, les uns les autres. Alors que Jésus, lorsqu'il a parlé pour la première fois, les uns et les autres, ces commandements-là étaient liés à nos relations de homme à homme personnel. Mais
c'était lié au service mutuel que j'aimerais partager avec vous. Disons ensemble, Galates chapitre 5, le verset 13, il dit quoi? Il dit être une bonne meilleure compréhension. Mes frères, Galates chapitre 5, le verset 13, il dit être mes frères, Galates chapitre 5, le verset 13, il dit être mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Ne devienne pas un prétexte pour la chair. Vous avez quoi comme expression? Vivre selon la chair. Vivre selon la chair. Hein? J'aime cette expression de Thompson. Et il dit quoi? De vivre selon la chair est ici chez moi. Et je continue. Par amour. Il dit par amour. L'apôtre Paul est en train d'exhorter ses contemporains de l'époque. Il dit par amour. Faites-vous plutôt esclaves. Faites-vous. Oh, c'est le mot, il est très fort. Hein? Faites-vous plutôt esclaves les uns les autres. Une fois tu as été mon esclave, une autre fois j'ai essayé aussi de l'esclave, une fois je suis. C'est ça. Les uns les autres. Travailler les uns les autres. Si cette fois-ci, je viens travailler chez toi, toi aussi, prochainement, viens aussi travailler chez moi. Donc ces choses ici, à l'époque, ça ne se passait pas comme ça. Donc chacun travaillait pour soi, mais l'apôtre Paul va ramener l'église. Il dit non, 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 ne faites pas comme ça. Toi, tu vas dans ton champ, tu vas travailler tout seul. Non, moi, là, je vous conseille, l'apôtre Paul lui dit, travaillez, soyez serviteurs les uns les autres. Soyez serviteurs les uns les autres. Vous avez cette expression chez vous? Soyez serviteurs les uns les autres. Et dans Galates chapitre 6, au verset 2, il dit, portez le fardeau les uns les autres. Vous pouvez lire, hein? Galates chapitre 6, le verset 2, on n'est pas loin, c'est juste à côté. Il dit, portez le fardeau les uns des autres. Portez le fardeau les uns les autres. Et vous accomplissez ainsi la loi du Christ. Portez le fardeau. Donc, c'est-à-dire les uns les autres. Là, en première, il dit quoi? Soyez serviteurs les uns les autres. Va servir ton frère. Regarde ton frère. Il a le fardeau là. Azalabasak, il est plein tout seul. Mais non, les uns les autres. Portez le fardeau. Les uns, va l'aider. Va l'aider. Portez le fardeau les uns les autres. Non, frère. Donc, voilà, partageons-nous les tâches, partageons-nous. Toi, tu t'occupes de ça, moi aussi, je m'occupe de ça. Allons-y, go, tous ensemble. Regarde les uns les autres. Cette expression, comment ça se conjugue, comment est-ce que l'apôtre Paul est en train de l'utiliser. Il n'y avait pas que seulement l'apôtre Paul qui a parlé de ça, même Pierre, il en a aussi parlé, les uns les autres. Mais Pierre, 1 Pierre 4, 9, venez bien entendre, venez bien dans le Seigneur. Ce sont des choses que vous pouvez partager un jour dans la famille. J'ai étudié moi aussi pour arriver à ce point-là. J'ai passé du temps pour faire des recherches, pour que nous puissions partager ensemble. Restons dans la Bible, restons dans le texte. Ça, c'était le comportement autrefois. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, il dit dans 1 Pierre 4:9, 4:9, soyez serviteurs les uns les autres, portez le fardeau les uns les autres. Mais Pierre, il rajoute encore autre chose. 1 Pierre 4, verset 9. Mis à votre voix, papa. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Sans murmure. Exercez quoi? L'hospitalité. Non seulement, hein, que non seulement nous sommes serviteurs les uns les autres, et puis je viens t'aider à porter le fardeau, et quand je viens t'aider à porter le fardeau, je viens chez toi, et tu m'accueilles, et tu m'accordes cette hospitalité chez toi. Il dit, mais fais-le sans murmure. C'est ça le problème. La génération d'aujourd'hui, lorsque nous donnons l'hospitalité à quelqu'un, nous aidons quelqu'un, nous commençons à murmurer. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Sois calme.
Même si tu m'as hébergé chez toi, un an, deux ans, trois ans, il est où le problème? Exercez l'hospitalité les uns les autres. Et il dit quoi? Les quatre lettres. Le mot, c'était quoi? Je vais trouver. Je reviens dans le texte. C'est le mot, la finale. Exercez l'hospitalité. Exercez l'hospitalité les uns les autres, envers les autres, sans, et vous avez sans munir, hein, sans maugré, ici on utilise le mot maugré, sans maugré, et que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus de la grâce. C'est une grâce, frère, et vous savez, dans votre surtout, que chacun puisse mettre les dons qu'il a reçus. Vous serez ainsi des bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Vous, alléluia. Non, il y a une comète en Bouddha, mais c'est un malade, mais c'est un bon malade. Alléluia. Il y a une comète à Guida, il y a une comète à Mombo. C'est un bon malade, sans murmure, ne murmure pas. Ne dis pas que si moi je ne suis pas là, ça ne marchera pas. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si moi je ne peux pas, ça ne marchera pas. Mais non, ça, les dons que tu as reçus, le talent que tu as reçu, la connaissance que tu as reçue, les capacités que tu as reçues, le bac plus combien que tu as, mets-les au service, vous serez ainsi des bons intendants de la grâce du Verbe de Dieu. Alléluia. Il dit que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus, le diplôme que tu as reçu, les capacités que tu as reçues, la connaissance que tu as reçue. Tu es habile dans un point, dans un autre. Je ne suis pas, je ne sais pas le faire. Alléluia. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Dieu a dit que Moïse, il avait une mission de sortir le peuple et de les amener dans tel endroit. Mais il y avait question aussi que de construire l'arche, de construire le tabernacle. Mais Dieu a dit qu'à Moïse, il n'avait pas les capacités de faire ça. Et il va choisir qui? Et il va choisir qui? Non, pas Aaron. Il a dit, j'ai donné des dons et des capacités à Belzéïd, alléluia, de faire quoi? L'habilité de construire. Donc le monsieur là, lui il avait, il sait comment il faut faire, c'était presque un architecte, voilà. C'était lui l'architecte, mais Moïse, Dieu va le recommander. Vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Mais la capacité, la mobilité là, je l'ai donné à Belzéïd qui est à côté de toi là-bas. Et il a fait. Et Belzéïd n'a pas murmuré, il n'a pas dit, vous voyez, moi je fais, moi je suis, mais non, soyons zen. Soyons calmes, alléluia. C'est un commandement lié au service mutuel, réciproque, les uns les autres. Nous pouvons prendre le quatrième point, les uns les autres, dans Éphésiens chapitre 4, nous allons le faire vite. On va essayer de tout finir aujourd'hui. Il y en a 18 comme ça, mais il y en a d'autres points qu'on ne va pas lire, moi je vais juste les citer comme ça. Éphésiens, le chapitre 4, vous y êtes, et le chapitre 32. Si quelqu'un trouve, il peut toujours vous lire. J'ai lu au nom de Jésus. Oui, Éphésiens 4, 32. Soyons bons les uns envers les autres. Soyez bons. Compatissants. Compatissants. Vous pardonnant. Ah. Ah. Amen. Regarde. Il ajoute encore un autre adjectif. Il ajoute encore quelque chose de fort. Il dit, soyez bons les uns envers les autres. Continue le texte, papa. Et compatissant. Vous pardonnez les uns les autres. Comme Dieu vous a pardonné. Comme Dieu vous a pardonné. Wow. En Christ. Éphésiens chapitre 4, le verset 32, maman. C'est parfois des mots comme ça, et quand ça trouble le peuple de Dieu, les gens ne veulent plus venir dans nos églises parce qu'ils vont écouter ce genre de messages. Et c'est tous ces messages-là qui l'interpellent, qui disent que tu dois être compatissant, tu dois aimer les uns les autres, soyez bons, soyez bons. Soyez bons les uns avec les autres. Plein, ici j'aime bien ça, plein d'une tendre et bienveillant, tendre bienveillant, faites-vous grâce.
Ici, faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans l'Église. Dieu nous a fait grâce dans l'Église. Dieu nous a pardonné dans l'Église. Vous aussi, il nous exhorte. L'apôtre Paul est en train d'exhorter l'Église primitive à son époque, parce qu'il n'y avait pas toutes ces choses-là. Il n'y en avait pas. Les gens, ils étaient colériques, ils étaient méchants, ils n'étaient pas bons envers les uns les autres. Et c'est pourquoi il insiste, il dit non, soyez bons envers les uns les autres, compatissants, vous pardonnant, vous pardonnant. Oh, alléluia, vous pardonnant. On va trouver encore une autre expression qui va venir un peu plus loin, là, dans le même sens. Vous pardonnant. Et Jacques chapitre 5, le verset 16, c'est ici une délivrance, c'est ici une guérison. Il y a des guérisons bien aimées dans le Seigneur. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est biblique, mais il y a d'autres guérisons, il y a d'autres délivrances, mais bien que nous lisons les textes. Il y a d'autres délivrances, ne vient que quand? Jacques 5, je dis Jacques 5, verset combien? 16. En confessant pour vous. Vas-y. Et priez les uns pour les autres. Maintenant, attends papa. Oh, c'est écrit où il fallait confesser les péchés chez les pasteurs. Mais pasteur, n'est-ce pas que moi si j'ai mon affaire, bon. Je peux prier moi tout seul, hein, et puis je demande pardon à Dieu, hein, et puis Dieu va me pardonner. Amen. Oh, le texte dit confesser. Il y a des choses que vous devez, vous êtes censé aller confesser. Comment on dit ça en catholique, aux confessions, confessionnales? Comment? Là où on va aller confesser, comment on dit ça? Confessionnal. Et pas il y en a qui devront vous confesser ma soeur mauvaise. C'est ça. Hein? Il va là-bas, et puis le curé, il est là-bas derrière, caché, toi tu es ici. Tu commences plus. Mais maintenant, ici, chez nous, dans l'église de l'éveil, il n'y a pas ça. J'ai fait mon péché, je garde mon péché. Ah, passe à la Sina Sambela qui, hein? La Sina Sambela qui t'a dit, pardon. Il y a un tout de là. Pas de la soeur, yo. Au propre, on est ici, on est au cachot. Ah, nous avons eu tout là. Et puis après, tout là, puis après, on a dit soumoula. Avant, nous avons eu le calamité. À quel point on a dit soumoula? C'est grave, donc il n'y a pas de qui. J'anticipe, je ne veux pas faire trop de commentaires sur ce point-là. Ça, c'est des mystères cachés de Dieu. Oh, il y a des choses qui vont se passer le jour du jugement. Mon Dieu, les gens que nous avons, les gens qu'on disait, ah, Baza, Moussantou, Nini. Mais Moussantou, voilà, quand il va arriver devant le tribunal de Dieu, Dieu lui dit, mais non, mon petit. Je ne t'ai jamais quitté. Aïe, c'est beau ça, maman. Ça a bien trouvé l'expression. Hein? Je ne t'ai jamais connu. Je n'étais plus, mais c'est moi qui chantais, c'est moi qui criais les gens, ils avaient les mains, ah mais non, je n'étais jamais frère connu. Pourquoi? Parce que tu n'avais jamais. On est où là? C'est. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez d'abord, dans un premier temps, confessez vos péchés les uns les autres. On est d'accord? Deuxième partie, et priez les uns pour les autres. Et troisième partie, enfin, donc tout ça, le deux points que j'ai évoqués là, ce sont, on appelle quoi? Des exigences quand on croit. Dieu, il t'exige ça. Confesse. Et puis après, il dit, et priez pour les autres. Maintenant, il te donne la promesse. Maintenant, la promesse, il dit quoi? Afin que vous soyez guéris. Maman Marie, regarde ça, mon âme. Première partie, confesser les uns les autres. Et deuxième partie, prier les uns les autres. Et la promesse, afin que vous soyez guéris. C'est net et clair. Comment ça dit qu'on a volaté? On consacre à haute limité. Ah oui, ça va. Attends-moi, à comprendre, tout le monde. Yambola. Moi, Yambola, moi, quand on a moqué. Ah, papa, ça va. Ah, c'est quand on a moqué. Ah, c'est bon, il y a des gens qui ont dit, ah, ben, Il n'y a pas de problème. 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 Il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de gris-gris. Alléluia. Il n'y a pas de clore de l'île. Non. Juste ce que tu fais là, du haut du ciel, Dieu il va écouter et il exauce. Il n'y a pas de cérémonie. Oh, bon, que tu as un tabac, 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 tu as et puis, mais non. Et puis, donne une enveloppe. Non, non, il n'y a pas ça. Restons dans le texte. Et une fois qu'on a fait ça, maintenant, vous allez prier. C'est là que tu seras guéri. Guéri. Parce que si tu ne confesses pas, tu es malade. Tu comprends? Et maintenant, lorsque tu confesses, maintenant, tu es quoi? Tu es guéri, basta. Quelqu'un qui est guéri, c'est quelqu'un qui est de la délivrance. Une délivrance, vous savez, aïe, comme il disait l'autre, la serviteur, il a dit quelque chose, j'ai beaucoup aimé, j'avais noté quelque part. Il y a d'autres délivrances qui n'arrivent que par rapport à ce que vous connaissez. Il y a des délivrances qui n'arrivent que par rapport à ce que vous connaissez, par rapport à ce que tu as, par rapport à ce que tu sais, par rapport. Vous connaîtrez et la vérité. Mais toi, tu ne connais pas cette vérité-là. Mais jamais, tu ne seras pas guéri. Tu ne seras pas délivré. Mais le jour où ça te pique dans ta tête, il y a une parole qui vient, bim, qui touche ton petit. Ah bon? Je ne savais pas que c'était comme ça. Ah ouais, ah ben. Eh bien, c'est une délivrance. C'est une délivrance au cas de l'ami. Il y a de ces délivrances-là, il y a des gens qui sont liés parce qu'ils insultaient, ils parlaient mal, ils faisaient ça. Mais le jour où il attend un texte qui lui dit, il ne faut pas insulter, il ne faut pas taper, il ne faut pas calomnier. Tu dis, ah Seigneur, tu te mets à genoux, tu demandes pardon à Dieu, et Dieu te délivre. Dieu ne tient pas compte de ton amen. Dieu ne tient pas compte de ton de l'ignorance. Et ça, dans le Moussousou, il y a des choses qu'on faisait. On ne savait pas parce qu'on était. On était ignorant, on était dans l'ignorance. Mais le jour où il est pis, le jour où maintenant que tu sais, ah ah, la nous maman, n'est-ce qu'on passe le sous-mémat. Maman, dimension, il m'a quitté. Il y a moi, ça, à Saint-Léon-Comont. Nous avons ça, nous avons ça, nous avons ça, Sango malamu kukomele na yo, e kukomele na yo. Mukolo wale siko sango malamu ye komele yo, yo siko yangula. Oh, mukolo li misanga yi, nazaki kwenye bateli kamozo kende zaka lusumu, zanda li misyo. Mesika wana mukolo en, si kuna, kusana lusuzute, oyo mukolo mwezen, kuna, tamo zaki kusana, kusana kina lusumu, me, lelo yo tamo ye, kusana kwa lusuzute. Lezen lezou. Ni lezen lezou. Lezen. Vous voyez cette expression, elle revient plusieurs fois dans la Bible, là, plusieurs fois. Ça, c'est lié à tout ce qui est mutuel, au service les uns les autres. Nous pouvons voir une deuxième catégorie. La deuxième catégorie, cela est liée à nos relations à nous. Nos relations à nous, c'était le premier texte que nous avons dit. Aimez-vous les uns les autres. Aimez, aimez-vous les uns. Là, ça, c'est une relation de homme à homme. Aimez-vous les uns les autres, ton frère. Alors, nous lisons Romains chapitre 5. Vous y êtes. Romains chapitre 15. 15, papa. Romains 15. Et nous lisons le verset 7. Nous traitons la deuxième partie de ces commandements. La première partie de ces commandements était liée au service mutuel et la deuxième partie de ces commandements est liée à nos relations de homme à homme, personnelles. Romains 15, vous avez trouvé, et verset 7. Aussi, accueillez-vous les uns les autres. Comme le Christ lui-même vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Vous avez quoi dans votre expression? L'accueil est très important de l'aimer dans le Seigneur. L'accueil est très important. Ça fait partie de ce ministère et ça fait partie des commandements. Accueillez-vous les uns les autres. Ne trouvez pas des excuses. Ne trouvez pas, oh non, moi je ne veux pas. Mais non, c'est biblique. Les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres.
Ça fait que dans ces temps-là, les gens ils voulaient pas se dire, encore un autre point. Le troisième point. Aimez-vous les uns les autres dans cette catégorie. Accueillez-vous les uns les autres. Nous lisons, je vous laisse découvrir vous-même. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 20. Je vous laisse découvrir. 1 Corinthiens 16, le verset combien? Accueillez-vous les uns les autres. Mais ici, là, ici, là encore, tantôt, vous pouvez déjà trouver. 1 Corinthiens 16, verset 20. Laissez tantôt, vous pouvez pas dire. Tous les frères vous saluent. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Par les saints baisers. Par les saints baisers. Même la salutation, c'est une recommandation. Amen. Même la salutation, c'est une recommandation. Personne n'a mis la beauté. Tout n'a pas bon aïe. Amen. Tout n'a pas bon. Amen. Mais ça m'a dit la beauté. Amen. Tout n'a pas bon aïe. C'est dans la Bible, maman. La salutation est très très importante. Ah, puisqu'on est dans l'état, laissez-moi vous donner ce témoignage. Je vais donner des témoignages de l'autre côté là-bas. C'est Yogi Show qui nous donne ce témoignage. Vous connaissez Yogi Show? C'est le grand pasteur des grandes églises dans l'Asie, au monde. Bref, un de ses serviteurs, un de ses pasteurs à lui, qui travaille avec lui. Ils habitaient dans le même palier avec son voisin, ok, son vis-à-vis. Ils sortaient tous à la même heure. À 5h du matin, ils allaient au travail. Lorsqu'ils sortaient, le monsieur aussi, de l'autre porte, là, il sortait. Et le pasteur, il disait toujours bonjour à son ami. Bonjour. L'autre, il ne répondait jamais. Il regardait ses mains comme ça, il faisait ses mains à la tête. Il ne haussait même pas la tête. Ils avancent vers l'ascenseur. C'est lui qui ouvre l'ascenseur. Appelez-vous. Et puis l'autre, il entre. Ça, c'est les Français, mais ça, là-bas, c'est les Coréens. Oh my God. Alléluia. Et c'était tout le temps comme ça. Donc, ces messieurs-là, chaque matin, ma fille, on lui disait bonjour, il ne répondait pas. Après toi, donc, il ne faisait même pas signe de vie. Oh, on dit là, ce monde, on dit là, ce monde. Vous savez, ça, on dit là, ce monde, 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 on dit là, ah, au cas de marche, et ça me dit la beauté. Oh, alléluia. Moutou, la zone, comme ça, vous êtes, et voilà pour un sou. Avant, au cas de mis, à travers le mis, à le vivre de quoi. Hum, bah, ma mouille, la mouille, pas au même moment. Mais au cas de marche. Alors, il s'est fait que le monsieur-là, la Bible dit dans Jean 15, lorsque le Saint-Esprit viendra, il fera quoi? Il vous convaincra à quoi? À ce qui concerne le péché. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, ça fait partie, c'est un commandement. Les apôtres ont travaillé ça. Il dit, les uns les autres. Si aimez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres, soyez hospitaliers les uns les autres. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Alléluia, reste un peu là, suis la salutation. Mon Dieu, mais alors, un an plus tard, jour pour jour, le monsieur là était dans sa maison, hein, le voisin d'à côté là, il a poussé un cri. Waouh, c'est pas possible, hein? C'est pas possible. C'est pas possible. Chérie, c'est quoi? Mais c'est pas possible, mais c'est quoi? Mais c'est le voisin. Mais le voisin, il a fait quoi? Mais il me dit tout le temps bonjour. Et bien alors, il est où le problème? Et le problème, c'est que moi, je ne lui dis jamais bonjour. Et bien alors, il me dit le bonjour. Et c'est ce que je veux. Alléluia. Hey! Et comme il m'ignore, et comme il fardeau, et non qui est salié, passe. Mon Dieu, me sent à tout qui s'y a le vif. Mais yo, pour le rêve, pas de. Mon gars, on me sent pas de. Yo, mais c'est pas de terre. Allez, abonnez vous tout qui s'y est. Et salié, pour tout passe. Et là, c'est pas où le salaire qui a baissé terre. Je vois un peu tout grave. Et tout qui s'y est. Vous voyez, le plateau, tombé là. Dans 4h59, 58, il y a sa télémane déjà qui va à la porte. Alors, notre télémane va à la porte. Quand on passait la parole, il va dire bonjour. Parce que là, il a dit bonjour. Ah, ben, il m'a dit, tu fais comment?
je fais comment? Moi, je sais ce qu'un homme sème, il fera quoi? Il moissonnera. Il moissonnera. Oh, il y a un robot en bouma. Yo, dis-lui, on lui colonne la dignité. Yo, offrande, on lui colonne la offrande. Alléluia. On lui colonne la dignité. Dis-moi le chocolat. Et robot en bouma. Oh, parce que la terre, on a pocheté. Eh, la terre, on a pocheté. Yo, l'ona. Yo, problème, yo, l'ona. Nous avons la communauté là. Mais c'est quand même, tout le monde va question. Ah, quand ils sont maintenant dans la terre, ils m'ont dit, saluez-vous les uns les autres. Le Messie là, aujourd'hui, je vous dis, à quoi vous savez dans ça? Baba qui s'y a, continue à maille. Alléluia. Amen. Alléluia qui était. Kolemba de Konayote, Kolemba yete. Il capite. De l'autre, tout ça n'a même pas un goût. Tout ça n'a même pas un goût. C'est pour la supporter qui papa, oui. À ce moment-là, il y a un moment où 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 Saluez-vous les uns les autres. Nous prenons 1 Corinthiens 12. C'est 1 Corinthiens 12. On a juste à tourner la page. 1 Corinthiens 12. On était là déjà. Et le verset 24-25. Vous l'avez trouvé. Il dit quoi? Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé les corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans les corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Afin que les membres aient également soin les uns les autres. Nous lisons, avant de battre quelqu'un dans l'équipe, parce qu'il y en a moins, ça va bien. Le beaucoup, avant de battre quelqu'un dans l'équipe, parce qu'il y en a la sécurité, ayez soin. C'est ainsi que nous sommes dans ce corps de Christ, afin que nous puissions prendre soin les uns les autres. Tandis que celles qui sont décentes n'ont pas besoin. Enfin, Dieu a disposé les corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquent. Nous avons mis mon atteint. Ça va pour faire ça, honneur. Au cause de la. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Verset 25. Pour qu'il n'y ait pas de division. Ici, il utilise le mot division. Alors qu'ici, il utilise le mot. Madame Nette, vous avez dit comme expression. Afin division. Qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Mais que toute la partie du corps s'en acquitte de la même façon les uns les autres. De la même façon les uns les autres. Nous tenions sans aller si calé dans le cas de la corps, dans le cas de la corps. Les uns les autres. Un pasteur, il allait prêcher, ça s'est passé aux États-Unis, et pendant qu'il allait à l'église, il a eu crevaison. Il a eu crevaison de pneus, tout ça. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Ce pasteur n'a laissé même pas changer le pneu. Il ne s'est pas changé. Donc il était là, panique, il dit, oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Il y avait une voiture qui venait derrière. Qui sait, la voiture qui passe, il a dit, c'est le pasteur. Le frère, il s'arrête. Il dit, pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ton fils, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, j'ai écrit le verre. Mais pasteur, attends, il n'y a pas de souci. Le gène, il appuie. Ah, papa, 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 il a changé. Là, vous. Et puis, le pasteur a pris place dans la voiture. Il est allé, il a péché. Mais ces jours-là, le pasteur témoigne et dit, nous sommes tous manques dans le corps du Christ. Là, aujourd'hui, je suis en train de vous prêcher. Je suis à l'air. Je devais être en retard. Mais parce que vous savez, frère, mettez-vous. Vous connaissez ces frères. Mais ces jours-là,
Dieu l'a utilisé pour faire quoi? Pour réparer la boue de son pastel. Alléluia. Vous en avez besoin, nous en avons besoin, les uns les autres, là où tu es assis, avec tes connaissances, avec tes capacités, avec tes diplômes, tout ce que tu as, mets-les au service de Dieu, les uns les autres. C'est par grâce que tu as reçu cela. Donc, tout ce que tu peux faire pour ton Seigneur, surtout, ne le fais pas en murmurant. Il ne faut pas murmurer. On va sauter, on va... on a déjà parlé également... prenez soin les uns les autres. Ah, mais celui-là, il fallait quand même qu'on puisse lire aussi ça. Le 2 là, on va lire. Ah, mais même tout, même les 3, oh mon Dieu, je suis dans les temps. Le 3e, celui-là, nous lisons Éphésiens chapitre 5, le verset 21. Quelqu'un peut lire, qui trouve rapidement. Et un autre, il me cherche Éphésiens 4, 13, 4, 1, 3. Nous lisons. Éphésiens 5, 21, la Bible nous dit. Ah, soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ. Alléluia. Non seulement, ayez également soin les uns les autres, saluez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, mais soumettez-vous aussi. Vous soumettrez-vous les uns les autres. Wow. Qui c'est qui a trouvé Ephésiens 4? Qui a trouvé Ephésiens 4, le verset 1 à 3? Ephésiens 4, 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, oui, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, oui, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Avec charité. Avec charité, na bolingo nyonso. Vous supportez les uns les autres. Bana vous supportez bolinga na yo. Na sembo nyonso, na kina nyonso, na lichote, na kandate, na zumate. Mais na supportez na simplicité nyonso. Linga yé no lenga lenga zaki. A kokoma yé pa kokoka. Très souvent, c'est très dur. Hein, très souvent, c'est dur. Hein. Les gens, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas, comment on dit, si ta femme ne sait pas conduire une voiture, oh, quand tu n'as pas conduit ta voiture, c'est dur, hein. Tu arrives, toi, à dire d'un coup comme ça, allez-moi, tout m'a été. Ah, mais ça va, bon, oh, supportez-vous les uns les autres. Alléluia, bon, Clément. Eh, maman, c'est qui? Jésus, on lui voit ça dans le bagage, on va s'amener. T'as qu'il n'y ait pas l'air. Quoi? C'est qui avait le nom? Efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Par les liens de la paix. Vous efforçant. Donc tu dois t'efforcer. Ne dis pas non, mais non, efforce-toi. On est moment sans soumangaï. Nakoka, dit Kambo. Si portez-vous les uns les autres. Ah, bon, c'est quoi Yasuka? Yasuka, yoga sa mamaram. Ephésiens 4, 32. Autant il y a une. Bino, vous allez lire à 5. Vous allez lire à Matthieu 5, 43. Mais c'est quoi yoga payao? Papa Samuel Tanga. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Compatissant. Vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné. On avait déjà dit. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Les uns les autres. Voilà cette deuxième catégorie qui est liée à nos relations les uns les autres. À nos relations, à nous personnellement. C'est un commandement
De la même façon, la première partie c'était liée au service mutuel, la deuxième c'est les uns les autres, et une troisième que nous pouvons partager ensemble. Il n'y a pas encore, sur le suivant, on avait déjà dit confesser vos péchés les uns les autres. Ah, ça fait partie. Et nous disons cette troisième catégorie des commandements est liée à la négativité. Négativité. Ne soyons pas négatifs. Nous lisons cela. Là, ça parle de négation. Romains chapitre 14, ça fait aussi partie des commandements, mais comment est-ce que vous allez les travailler? Romains chapitre 14, le verset 13, nous lisons. Oh, hier, il s'est passé quelque chose à Lyon, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je n'étais pas là, moi j'étais ici tout seul et puis... Mais à la fin, j'avais une réunion, je suis allé quand même à l'église de passer l'hiver. Oh, mon Dieu! Vous savez qu'il y a eu deux décès, hein? On a enterré deux de nos compatriotes hier. Mais l'autre là, un certain, de son âme rouge, oh, il y avait du monde. C'est un ancien, hein? Un vrai mécanicien. Un vrai mécanicien. Le passé l'hiver me disait, il y avait au moins plus de 800 personnes qui ont encore. Mais il s'est posé la question, mais quel genre d'événement nous pouvons faire ici à Lyon pour tout ça, ça va bien, surtout les Niwana. Donc, à Masikawa, maintenant, pour, comment on dit pour ça, ça va tout? Pour aider tous ces gens-là, il faut leur attaquer. Il faut leur dire, il faut leur dire, donc ne nous jugeons donc plus les uns les autres.
usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une cause de chute. Mon frère, moi quand je te dis ne fais pas ça, je ne te juge pas. Moi, est-ce que tu comprends? Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Tu vois, pendant qu'on est dans l'Exode aussi 14-15, pendant qu'on est dans le 5. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. T'as vu ça? Prenez garde. Ce qui m'a dit que nous sommes en train de nous faire, Il dit, ne vous mordez pas, ne vous provoquez pas les uns les autres. Ne mentez pas les uns les autres. Voilà pourquoi nous sommes dans Colossiens 3, 9. Tant qu'on est dans Colossiens 3, 9, on est dans le temps. Colossiens chapitre 3, le verset 9. Vous voyez, je fais des commentaires. Colossiens 3, 9. Tout est dans la Bible, oui. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous étant déjà dépouillés. Le vieil homme, on a ça, on sortit caillé, on dit caillé, on a dans la Zaraka, dans la Zaraka, on sortit caillé dans le ciment. On est déjà dépouillé dans la Zaraka, le vieil homme, on sortit caillé. Donc, dans mon colon, il y a l'eau, ne mentez pas. Vous avez trouvé quelqu'un pour vous, Thessaloniciens? Oui. 1 Thessaloniciens 5, 11. La Bible dit, c'est pourquoi ajoutez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous les faites. Si portez. Ok? Réponds-moi par mon papa comme ça, je me suis. Exhortez-vous. Exhortez-vous. Mutuellement. On voit le mot qui revient encore, le mot mutuel, j'ai dit au début.
et contribuer à la construction de l'autre, comme vous le faites déjà. Okay? Les uns les autres. Les uns les autres. Nous sommes censés à nous édifier. Nous sommes censés à nous édifier les uns les autres. Voilà la pensée que je voulais partager avec vous ce matin. C'est très fort, cette expression les uns les autres. Alléluia. C'est très fort. Nous devons beaucoup les travailler. Ça fait partie de ces commandements. Si vous connaissez les 10 commandements, ben, celui-là aussi, c'est au centre même. Les apôtres, ils l'ont développé de sorte que nous puissions nous supporter les uns des autres, nous accepter les uns les autres, qu'on puisse partager nos soucis, nos fardeaux les uns les autres, nous servir les uns les autres, que nous ayons de l'hospitalité et que nous nous saluons les uns les autres, que nous soyons bons les uns envers les autres. Quand il faut prier, prier aussi les uns pour les autres. C'est là qu'il y a une délivrance qui va arriver. Si nous confessons nos péchés les uns les